c'est Golgi et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo analyse de la SPUL de Marco. Donc avant-hier on a eu les leaks, je comptais faire une vidéo mais j'ai pas eu le temps parce que là au PTS est allé hyper vite niveau communication. Donc là on a déjà l'aspect de Marco. Donc du coup pas de nouvelle tenue parce que je crois là niveau tenue ils sortent rien du tout hein. Ils sortent rien du tout mais là on a l'aspect de Marco qui est ici et on a sa compétence là. Donc c'est carré, donc commençons par l'aspect, voilà. On va commencer par là. Donc j'ai déjà vu et l'aspect elle est énorme. Donc là déjà il y a eu 6000. Donc on sait que les 6000 in-game ça va pas être 6000, ça va être environ plus de 100 000 je pense hein. Il va régénérer 100 000 lui et les alliés. Et là on voit 300 000, un petit 600 000 et 500 000 de dégâts finaux pour l'aspect. Et tout ça sans critique. 500 000 sans critique c'est énorme les frérots. Sans critique c'est énorme. Il y en a qui diront oui, 500 000 c'est moyen. Ceux qui disent ça, ferme ta mère. Fermez vos mères. 500 000 pour une spé sans critique, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. C'est limite une boss kill. Parce que je me rappelle quand l'eau, la spé de l'eau scan est arrivée, elle faisait du 600 000. Pardon, j'ai bégayé. 1, 2, 3. Elle faisait du 600 000 en chain. Donc sans critique, elle faisait du 600 000. Donc là, c'est pareil, les gars. Ça veut dire que in-game. Elle va taper hyper mal à ce Marco, vraiment hyper mal. En plus de ça, elle se régène. C'est n'importe quoi. C'est n'imp. Ok, donc là, elle rassemble. Bam, 500 000, ok. Et après, le... Oh, ça stun. Putain, j'avais oublié ça. Ça stun, lourd. Donc là, ok, même si l'ennemi est loin, ça stun. Enfin, ça heal, pardon. Ok, ça fait comme la première speed chopper. Ça veut dire que peu importe... Sur la carte où l'allié il est, il lui et il l'ennemi, enfin l'allié qui est replié, c'est-à-dire que celui que tu joues pas, bah, il va être quand même être heal, t'as vu? Ça c'est super ça. En gros, il heal tout le monde, c'est parfait. En plus, il heal les SP, donc vraiment lourd. Moi Marco, je la veux, voilà, Marco, je le veux. L'aspect de Marco, je la veux, les frérots. Donc on va lire ce qu'il fait. Attends, on va lire ce qu'il fait. Parce qu'il faut savoir que dans les multi gratuits, j'ai grave de la chance. J'ai droppé qui? J'ai droppé deux fois la UL de Pyrospyro. J'ai droppé une fois la UL de Akainu. Et j'ai droppé une fois l'aspect de Garp en single, en 5 étoiles. Tout ça en 5 étoiles. Donc là, j'espère avoir de la luck pour Marco. C'est la dernière fois que je demande la luck, voilà. J'ai que Marco et le reste, je m'en fous. Voilà, clairement. Donc, coup spécial de Marco, UL, bénédiction, ok. Dégâts extrêmement larges avec attributs spéciaux sur la zone environnante. Waouh! Effet de pénétration moyen, ok. Conditions liées, ok. Grande récupération de HP pour tous les camarades. Récupération de SP pour toute la gamme de vous et vos camarades, ok. Augmente le critique. Oh là là, oh là là. C'est lourd ça. C'est très très lourd ça. Conditions bataille inévitable. Non. Conditions bataille évitable, c'est quoi ça, je sais pas. Réduit les dégâts, ok. Augmenter le taux de réussite, ok. Augmente le taux d'évasion, c'est lourd. Taux de vitesse de recharge, ok. Attends. Attends. Ok, il en gonne. Ok, attends. Est-ce qu'il y a le cooldown sur l'aspect? Attends. Oh, ça bug, fuck ta mère. Ça, tout est toujours, ça bug, putain. Putain, vas-y là, frère, wesh. Tu fais quoi là? Oh, c'est chiant, sérieux. On va faire ça. Et oui, il faut savoir qu'il y a Kizaru qui va arriver. Mais ça, je la garde ça pour une prochaine vidéo. Donc voilà, vous avez rien vu. Bon, bref, vas-y. Tutor, ça bug, ça me saoule, vas-y, pas grave. On passe à la compétence. La compétence, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, déjà, traduit. Dégâts moyens avec des attributs spéciaux, ok. Conditions liées, ok. Une petite plage. De récupération de PV pour soi et ses alliés dans toute la... Oh, ok, donc ok, j'ai rien dit. De base, je pensais pas qu'il avait le God Mode, mais si, en fait, il a le God Mode, plus il régène, donc c'est parfait. Et en plus, il embrouille les ennemis, ok, c'est lourd, ça. Ça, c'est lourd, ça. Ça, j'aime bien. C'est très, très lourd. Vraiment, l'aspect UL, lourd, plus la petite compétence, lourd de ouf. Par contre, là, si ça veut, ça va pas le faire, les frérots. Ah, tu sais quoi, vas-y, nique sa mère. Ça m'a saoulé, Twitter, ça m'a saoulé. Donc, je sais pas s'il a cooldown aspect, mais vas-y, je sais pas. À voir. Donc, du coup, les gars, c'était Golgi. Petite vidéo rapide, je viens de me lever. Donc, si j'ai une voix bizarre, c'est normal. Donc, voilà.
Dites-moi ce que tu penses de Marco. Dites-moi si vous allez invoquer sans Marco. Moi, j'ai que 7 ou 10 RC. Donc, les frérots, ça va être tendu de ouf. Mais pas grave, on va le faire quand même. Donc, du coup, c'était Goldie. Peace out. Et lâchez votre like, abonnez-vous et tu connais le bail. Hein.